qui va gagner le concours de botanique. Voyons, Lisa. Pas mal, pas mal du tout. Matt. Oh, Hippolyte, je vous laisse juger, hein, parce que... Oh, bien Malik, tu vois quand tu veux. Oh, on tient notre gagnant. Brian? Brian? Oh, très impressionnant. Un mot du vainqueur. Comment t'as fait pousser ce truc-là en 2 jours? Ben quoi? J'ai la main verte. Moi, je dirais plutôt que t'as la main noire. Je crois que quelqu'un a bien mérité sa récompense. Ah ouais! Voilà, une classe de maïs, toute fraîche comme promis, cueillie ce matin. C'est pour qui le bon goûter au maïs? Peur! T'aurais pu te laver les mains. Bah pourquoi faire? Animal cousin du cochon, le Brian est d'une incroyable saleté. Faux! J'adore me laver. Une fois par an. Extinction des feux. Qui veut une berceuse? Non merci, ça ira. Dommage. Berk, c'est quoi ça? On a eu de la visite, cousine. Touche à rien. Faut pas effacer les empreintes. Quelqu'un a lu mon carnet secret? Recette d'engrais ultra rapide à la bouse de hérisson bleu. Brian! Ah! Main verte, mon œil, oui, tricheur! Ok, ça va, j'ai triché. C'est bon, faites pas cette tête, je me suis excusé, quoi. C'est bon, faites pas cette tête, je me suis excusé, quoi. Ah! C'est qui ce mec? Bah, faut croire que c'est toi, avec quelques années de plus. Voilà ce qui arrive quand on se lèche les doigts plein d'engrais. Qui a crié? C'est Brian, c'est le monsieur. Annette, je te présente le frère de Brian, Anthony. Salut. Oh, bon... bonsoir. Oh, enchantée. Je peux pas rester comme ça. Je suis vieux. On va t'aider. En attendant, pour aider les compagnies, tu seras le frère de Brian. Confiture de courgettes sur les biscottes, c'est scientifiquement impossible. Les courgettes, c'est excellent au petit déjeuner. Moi-même, j'en mangerais bien. Et voilà. Si je n'avais pas autre chose de prévu... Salut la compagnie. Tu joues à nous, Anthony? Saoul. Cool. Alors, voici le frère de Brian. Je te présente Odile et Hippolyte. Merci, je les connais. Pas. Où est votre petit frère? Brian? Il se brosse les dents. Avant le petit déjeuner? Avant, pendant et après. Je lui ai dit de se les brosser 20 fois par jour, comme moi. Oh, Anthony, quelle bonne influence tu as. Non, mais dites donc. Voyons, c'est un invité. Vous faites quoi dans la vie? Moi? Champion de skate. 18 médailles d'or, 2 de bronze, 3 en alu. Quel talent. Non, mais sérieusement, vous faites quoi d'utile dans la vie? Oh, là-bas, un truc!
Non, rien en fait. Je retourne à ma comptabilité. Si on trouve pas un truc rapido, les grands vont se douter de quelque chose. Pas de recette miracle dans le carnet des secrets. On est mal. Squeak, c'est pas le moment de faire une balade. Je vais trouver. Biscuit. Je vous aime bien les filles, mais... mes skates vont pas se nettoyer tout seuls. On n'a pas encore de remède, mais tiens bon, on va trouver. Pas de soucis, prenez votre temps. Besoin de rien, Anthony? Ah, si. J'ai besoin que tu te pousses. Tu caches le soleil. Oh, pardon. Faut trouver quelque chose, parce que Brian Vieux, c'est le même, mais en pire. Mais c'est vraiment pas le moment, Squeak. Oh, hé, hey, mon carnet! Attends un peu que je t'attrape. Dites donc, vous n'auriez pas vu votre frère par hasard? Il est sous la douche? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est fini cette douche, Brian? J'adore me laver. Oui, ben, ça suffit. Laisse de l'eau chaude pour les autres. J'adore me laver. Une fois par an. Squeak. Oh, refais plus jamais ça. Les papillons sont redevenus des chenilles. Ah, c'est ça que tu voulais montrer depuis tout à l'heure. Alors, les filles, pas mal, hein? Ça y est, pfiou, j'ai trouvé. Pour ce que tu sais. Oh oui, finalement, laisse tomber. Je suis bien mieux comme ça. T'inquiète, je le ferai changer d'avis. Fichu comptabilité. Tiens, Anthony, toi qui as fait des hautes études. Des hautes études? Tu m'étonnes. J'avais cours au 20e étage. Ça tombe bien. Tu peux faire la compta d'Hippolyte, alors. Hein? Merci, mon vieux. Je vous en vaudrai ça. Hippolyte, goûtez dans mes piments du jardin. Comment dire Moi, je goûterais bien, mais je suis trop jeune. Anthony, lui, il peut goûter. Sauf s'il a la trouille. Alors, c'est toujours cool d'être grand? Vous fatiguez pas, je changerai jamais d'avis. Dis, Anthony, ça te dirait une promenade au clair de lune ce soir? Ben, on peut pas, à 10h, tout le monde doit être au lit. Mais pas les grands. Wow, oh, génial! Je vais pouvoir jouer à la console super tard. T'as vu ce que j'ai vu? Carrément. Qu'est-ce que vous dites? Annette est amoureuse de moi? Bah, c'est dégoûtant, ouais. Elle a au moins 20 ans. Faut y faire. Toutes les vieilles de 20 ans vont te coller maintenant. Le skate, la console, tout seul peinard, enfin bref, tout ça c'est fini, mon vieux. Ou les amoureux. Je resterai pas une seconde de plus dans ce corps de vieux machin. Mouah, 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 mouah. Il m'aime. Un peu...
passionnément, à la folie. Pas du tout. Il m'aime. C'est bon, vous êtes prêts? Attention, ça va être hyper stylé! Il m'aime un peu. Ah, Anthony! 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 Ah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, mon frère est parti. Il a quitté la colo. Oh, la pauvre. Elle l'aimait vraiment bien, Anthony. Anthony, en souvenir de cette journée mémorable. Litres d'huile de soja non raffinée. Ah, et des tablettes de chocolat. 30. Non, 35. La voie est libre. Greta ne trouvera jamais ici. 29 et demi et 30. Attention, j'arrive. On pourrait tenir des mois avec toutes les provisions qu'il y a ici. Achou! Achou! Oh mais gros malin, fallait prendre une autre cachette si t'es allergique au foin. Moi au moins, j'ai pas été repéré à l'odeur de mes pieds. Hein. Allez Squeak, cherche! Je crois que j'ai le temps de me faire une petite sieste. Comment ça? Ha-ha! Trouvé! Chut! Nous aussi, on a trouvé quelque chose. Un ours? Chut! T'es malade, tu vas le réveiller. Sa tête me dit quelque chose. Là, d'après le carnet de Wapi Thérèse, nous avons affaire au fameux Gigours, le plus géant des ours de la forêt. Ouais, pas très impressionnant. C'est un nain, ton géant. N'empêche, comme tous les ours, son truc, c'est le miel. Pas de panique. Les siestes de l'ours durent plusieurs jours. Et rien ne peut le réveiller sauf l'odeur du miel. Cool! Ouais, de ce côté-là, c'est réglé. Comment on va faire? On ne peut pas prendre le risque qu'Odile et Hippolyte le voient ici. Attendez, c'est pas terminé. Le gigours a une petite particularité. Plus il a faim, plus il grossit. Il faut le cacher quelque part. À la semaine prochaine! Alors, une caisse de cassoulet végétarien, 10 boîtes de poireaux en poudre. C'est parfait. La livraison des courses! Hippolyte va les mettre dans la réserve, c'est sûr!
Je crois que Squeak a un plan. 8 boîtes de yaourt à la betterave, 12 bouteilles de... Hé! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Squeak, c'est pas le moment de jouer. Rends-moi ça. Attention, je vais me fâcher. Allez, viens donner à papa. Petit, petit, petit. Squeak, au pied. Squeak. Reviens ici. Voleur, descends immédiatement. Ne m'oblige pas à monter te chercher. Tu l'auras voulu. Ah, alors, on fait moins le malin, hein? Ah non, c'est pas vrai. Je vais vraiment finir par m'énerver. Rends-moi ce papier. Oh, oh, le super avion. Oh, c'est pas possible. Qu'on était là. Non, mais Skell est bête. Il le savait pas encore. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis née 2 minutes avant toi, donc tu me dois le respect. Y'a quoi là-dessous? Si j'étais vous, je ferais pas ça. Nya 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 nya. Capitaine, nous sommes touchés. Vite, sortez avant que ça explose. Hippolyte? Une caisse de haricots secs, 6 paquets de farine de tournesol. Regardez, quelqu'un a fini tout le miel. Scandaleux. Le coupable sera puni, soyez-en sûrs. Heureusement, j'en ai justement racheté 2 bocaux. Ah, il y a un ours dans la salle de bain. Un ours? Quelle chochotte ces deux-là. L'autre jour, elles avaient soi-disant vu un serpent et c'était un ver de terre. Ne vous inquiétez pas, je vais aller jeter un œil. À tous les couleurs ours, c'est une souris. Petit, petit, viens voir tonton Hippolyte. Qui est là-dedans? C'est nous. Enfin, je veux dire, c'est moi. Matt, je prends une douche. Matt, tout va bien? Oui, je suis juste un peu enroué. Ah, bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, ne reste pas trop sous la douche, ou tu vas être malade. Tu m'étonnes qu'on va être malade. Elles nous auront tout fait. Confondre Matt qui tousse avec un ours qui grogne. Quelle imagination! Matt est malade? Je vais aller lui préparer quelque chose. Tenez, heureusement que vous avez pensé à acheter du miel. N'est-ce pas? Il a encore grossi. Oh oui, je vais pas remarquer. Où on va le mettre? Je vois qu'un endroit, le lit de Matt. Pourquoi le mien? Tu préfères le monter dans mon lit? Matt? Hippolyte m'a dit que tu avais mal à la gorge. Hein? Ah oui. Oh pauvre chou. Heureusement, j'ai un excellent remède. Du lait chaud au miel. Ouh là 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 là. Oh, c'est pire que ce que je pensais. Si vous le dites. Bon, tu n'es pas chaud pourtant. Dépêche-toi de boire ça. Madame, fallait pas toucher Matt. Vous allez être malade, il faut vite aller vous soigner. Bon, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Je vais me frotter avec l'ail du potager pour tuer les microbes. Super idée. Si on tient à notre santé, vaut mieux pas qu'on traîne non plus. Ah. Bande de froussards. J'ai,
J'ai préféré lui donner le miel pour éviter un combat inégal, surtout pour lui. Si ça se trouve, il y a encore du miel dans la cuisine. Quelqu'un a une idée géniale pour éviter la catastrophe? Hé, hey, les nains de jardin, poussez-vous! Merci! Non-respect de la limitation de vitesse en cuisine et collision sur agent. Carton rouge. Hippolyte, il est malade lui aussi. Laisse-moi, vilaine poète. Laisse-moi tranquille. Pauvre Hippolyte, il faut faire quelque chose. Je sais pas si ça peut servir, mais il reste un dernier pot de miel. Bien vu, Brian. Vous avez déjà fait de la pêche au gros poisson? Je suis pas là! Il y a personne! Il est pour qui le bon miel? Allez, va chercher! Quand il a bien mangé, il retrouve sa petite taille. Au moins, il sera plus facile à transporter. Voilà, il sera bien mieux ici. Ah, et puis je suis sûre que le flap à chat nous en voudra pas s'il se sort un peu dans sa réserve de miel. Il devrait être parti maintenant. Ah, Odile. Je vous ai préparé une tisane à l'échalote pour soigner votre... Oh, petit gourmand. Je sais qu'il mange le miel en cachette. Mais pas du tout. Enfin, c'est à cause de l'ours. Il m'a poursuivi pour me faire goûter son doigt plein de miel. C'est arrivé après l'accident de skateboard avec Brian dans la cuisine. Hippolyte, mais calmez-vous. Vous avez le droit d'être gourmand. Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Dil. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Quoi
donc voir, le flapacha doit bien avoir un garde-manger. Ha ha! Non, j'hallucine. Encore des brocolis. Oh, hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette. Hein, les loulous? C'est vrai. Et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien. J'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors, je t'explique. En fait, j'ai pris ton carré des secrets à la suite de la chute. Évidemment, des brocolis du flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci, Odile. À la purée, chocolat pistache, macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel, poulet à la crème, grenadine, tiramisu, tiramisu, grenadine à la crème de poulet, ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh, oh, oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Ouais! Psst, Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis. Bien sûr, un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile, je vais y aller pour vous. Je vais en forêt, toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elles se doutent de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Thank you.
c'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça. Une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ses brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Oh! Les enfants! Mmh. Oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ses brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La cabane de jardin du Flapacha. Graines de brocolicieux. Hmm? Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'est rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux. Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait... ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Quoi? Mais des malades! Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Les amis, le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Mmh.
Patience, les filles, j'ai presque fini. Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais! Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte! De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de Sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Ben ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes! Et puis, il n'y a pas d'eau chaude ni d'électricité! Je pourrais pas brancher ma console de jeu! Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Ouh, du camping bio. Oh, c'est une idée formidable. Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci. Ah, 1000 km à pied, ça use, ça use. 1000 km à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone? Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied. Voilà, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Maluk commence à préparer les abris. Tut tut tut, on ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte. Avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Wouah! Vous avez même des sacs de couchage. Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombée dans la rivière. Bravo! Je suis fière de vous. Matt, viens m'aider à ramasser un peu de bois. Alors là, je te tiens mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier. Tu te sens bien? Hyper bien! Je me sens tellement proche de la nature! Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Elisa! Elisa, c'est pas si grave si t'as pas de plume. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort.
Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous privez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus. Même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table les enfants. Assez, vous êtes en train de tout gâcher. Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben nous aussi. Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu. Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au flapacha ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça? C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le flapacha. Et si au moins on respire? Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rousse péteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Bah, il faut pas trop en vouloir Lisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, Flapacha. Je voulais pas vous crier dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Wapi Thérèse aurait honte de moi. Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de Sioux, offerte par le Flapacha. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le flapacha a envoyé au camp! Je la mérite plus de toute façon. Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien. On est perdu. Lisa, y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non. Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez. S'il te plaît. Par ici, les petits Sioux.
D'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Mm-hmm. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Wow. Merci, Flapacha. Dorian. Brian. J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ouais, ouais. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûre que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard, tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif, il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Ouais, ouais. Oh, il m'énerve ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument! C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Ouais! Oh oui, vas-y mon matounet! Oui, allez, allez, Matt! Allez, Matt! Allez, vas-y, Matt! Wouhou! Brian, premier! Et Matt, dernier, hein. Mouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Trop fort, Brian! Nul! C'est nul! Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne, vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb. Merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul. Du tilleul. On s'en fiche. Une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde. C'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog.
Tu pourras faire un super article. Ah, vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Mais c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Waouh, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. Oh, trop génial! À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour, la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye, voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, encore, bravo, hurra. Encore 30 minutes et j'arrête. C'est un peu raté quand même. Oh mon matounet! Oh! Oh, c'était magnifique! C'était sublime! Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydratée tout d'un coup. Bien sûr, champion! Pauvre Brian! Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, enfin, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît? Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être. Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. Oh, j'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian. Oh bah, il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard? Mais c'est parfait! C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là.
Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve, Brian ou Matt? Moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors, c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Skate. Quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai qu'il est doué. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Désolée, Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillée. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Très fort aux cartes. T'inquiète, l'important c'est de participer. J'ai gagné. Ça va, Lisa? Aïe, je savais que ça finirait comme ça. Ah, c'est pas juste! Si t'as gagné, c'est parce que... parce que Squeak a pas arrêté de faire du bruit. Puisque c'est ça, moi, j'arrête de jouer. Et puis c'est tout. Il vient de se passer quoi là? Je vais vous expliquer. Lisa est une mauvaise perdante? Oui. Et le problème, c'est qu'elle est vraiment nulle à ce jeu. Donc, elle perd tout le temps. Et après, elle s'énerve. T'as essayé de cacher son jeu de cartes? Bien sûr, c'est moi qui l'ai mis au fond de l'armoire. Elle finit toujours par le retrouver. Trouvé. Et si on la laissait gagner une fois? Ça lui en montrerait le moral et tout rentrerait dans l'ordre. C'est une idée géniale. Ils y connaissent rien. Tu fais une partie? Ça va, j'ai compris. De toute façon, j'ai besoin de personne pour y jouer. Flapacha? Flapacha, c'est toi?
Je veux jouer avec le flop à chat. Elle comptait pas cette partie. On en fait une autre, d'accord? Flapacha? 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 Flapa... Il était là et il a oublié son coussin. Waouh! C'est tout doux! Un coussin magique? D'accord, je comprends mieux. C'est avec ça qu'il a gagné. Quel tricheur! Mais c'est quand même dommage de le laisser là. Vous êtes sûr que ça va marcher? Mais oui, t'inquiète pas. Essaye juste de jouer le plus mal possible. Oh, attention, la voilà. Hé, les copains! Quelqu'un veut faire une partie de cartes avec moi? J'y crois pas! J'ai gagné! La chance était de mon côté cette fois-ci! Ouais! Bravo Lisa! C'était vraiment bien joué! Et si on faisait un grand tournoi de cartes? Ouais, bon bah sans moi. Hein. Hey, t'as pas envie qu'elle bouge jusqu'à la fin des vacances, hein? On va faire son tournoi et la laisser gagner! Ouais, encore gagné! Bravo, Lisa! Oula là! Ouh, ouh! J'ai gagné! Ouh, ouh! Oh ouais, c'est moi qui gagne! Tu nous as dit qu'elle était mauvaise perdante, mais t'as oublié de préciser qu'elle était aussi mauvaise gagnante. C'est moi qui gagne! Oula là là là, c'est moi qui gagne! C'est vrai qu'elle exagère un peu. Si on gagnait une partie, juste une! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, Hippolyte. Je faisais juste remarquer à tout le monde que j'étais la meilleure aux cartes. Tu as un jeu de cartes? Oh, j'adore les jeux de cartes! 7 fois champion de cartes de l'Académie des Intendants, 3 médailles d'or au jeu des 7 familles, et vainqueur toute catégorie à la bataille! Alors, les jeux de cartes, ça me connaît. Je veux pas vous décevoir, mais à mon jeu, c'est moi la plus forte. Est-ce que c'est un défi? Oh non, pas du tout, du tout. Oui, c'est un défi. J'accepte. À tout à l'heure, pour ta raclée. Oh non, elle va se faire ratatiner, elle va recommencer à bouder, et tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Mais après la partie contre Hippolyte. Lisa, faut qu'on te dise un truc. Oui, quoi? Ah non, je peux pas lui dire. Allez, sois un homme. Ben voilà, avec les copains, on t'a laissé gagner toute la journée, on a perdu exprès. Bien tenté, cousin, mais c'est raté. Si j'ai gagné, c'est uniquement grâce à ça. Un coussin? Je l'ai emprunté au flop à chat. C'est un coussin porte-bonheur. Et grâce à lui, impossible que je perde contre Hippolyte. Alors on a triché pour rien parce qu'elle trichait déjà de son côté? Mais c'est de la triche! Et alors? Ça nous arrange, non? Comme ça, on est sûr qu'elle va gagner contre Hippolyte. Salut les copains! Riton? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est le flop à chat qui m'envoie. Il aimerait bien récupérer son coussin magique. Tu veux dire son coussin magique porte-bonheur? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Le seul pouvoir de ce coussin, c'est de changer de taille en fonction de qui s'assoit dessus. Tu veux dire qu'il sert pas à gagner au jeu? Mais il a pas besoin d'un truc comme ça, le flap à chat. Il est naturellement hyper fort à tous les jeux. Alors si Lisa a gagné, c'est bien grâce à nous. Et ça veut dire qu'elle a aucune chance contre Hippolyte. Triton, il faut que tu laisses le coussin à Lisa juste pour cette partie, ok?
C'est d'accord. Ouais. Oh, merci, Riton. À quoi ça va servir? On sait qu'il est pas vraiment magique, ce cousin, non? Oui, mais Lisa, elle le sait pas. Alors, prête à prendre ta raclée? C'est quand vous voulez. Et c'est parti! Ouais, super. Bon, bah, faut finir en vitesse, hein. Comme ça, tu pourras rendre son coussin porte-bonheur au flop à chat. Mais vous êtes bouchés ou quoi? C'est pas un coussin porte-bonheur. Riton? C'est quoi cette histoire? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu nous as battus, c'est pas grâce au coussin. C'est parce qu'on a fait exprès de perdre. Pourquoi vous avez fait ça? On voulait que t'arrêtes de bouder. Moi? Oh, comme si j'étais une mauvaise perdante. Je suis une mauvaise perdante. Et sans magie, je vais jamais battre Hippolyte. Fin de la mi-temps! Bravo pour la première manche. Mais je dois t'avouer quelque chose. Jusqu'ici, j'ai joué avec ma main gauche alors que je suis droitier. Maintenant, je vais jouer avec ma bonne main. Surtout, tu restes calme et tu respires bien profondément. Qui va gagner? C'est Tonto Hippolyte! J'étais comme ça quand je gagnais? Non, t'étais pire! J'abandonne. Vous êtes trop fort, Hippolyte. J'ai gagné! Et toi, t'as perdu! C'est moi le plus fort! Tiens, Riton, j'en ai plus besoin. Merci, c'est le Flapacha qui va être content. Parce que... Gagner ou perdre, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'on s'amuse. T'as tout compris, Lisa. C'est toi la meilleure. Mais c'est moi qui ai gagné. Je veux qu'on me porte. Attendez-moi, les enfants.